Le Saint-Empire romain couvre une vaste partie de l'Europe. Avec à sa tête l'empereur, couronné par le pape lui-même, l'Empire a une influence forte et étendue. Depuis que Charlemagne fut couronné empereur, les soldats du Reich ont combattu et sont morts pour la victoire. Mais la guerre, même menée au nom d'un saint empire, reste une activité brutale. Les Germains sont la faction la plus puissante de l'Empire, même si celui-ci n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut. Il faudra un grand général pour refaire connaître à l'Empire sa gloire de longtemps.